À qui m'entendrait ? À qui voudrait m'entendre ? Je sors difficilement de l'obscurité comme on se réveille d'un trop long sommeil. Malgré mon crâne endolori et le battement incessant de mon cœur, quelques souvenirs reviennent, comme des flashs. Comme le veut la procédure, j'enregistre ce journal. Il permettra d'organiser les fragments de mémoire, les réminiscences vagues des événements de ces derniers jours ou semaines. Il arrivera peut-être à expliquer ce que je ne parviens à comprendre. Comment j'en suis arrivé là ? Comment je me retrouve condamné dans cette capsule de sauvetage, dérivant indéfiniment dans le vide spatial. Comme une bouteille à la mer. Commençons par le plus simple. Mon nom, Isaac. Mon matricule 821-411. Maintenance. Affecté au NS Pandore. À son bord, un équipage de 99 militaires. Nous suivions une route convoi, balisée par la coopérative. Mission de sauvetage à la recherche d'une navette qui n'émettait plus, je crois. Il y a quelques semaines, quelques mois, nous sommes aperçus que nous étions déroutés. Personne n'a su l'expliquer. Nous sommes rendus compte que nous étions attirés, comme tractés par un remorqueur invisible. Nos manœuvres désespérées de redirection ont fait surchauffer le réacteur à fission, qui s'est éteint. Et c'est à quelques 6000 années-lumière de la Terre, ébloui par la lumière froide de Messier 16 et de ses fameux piliers de la création, que notre vaisseau a commencé son long naufrage. D'abord, celui du Pandore, puis lentement, celui de ses passagers. C'est moi qui l'ai découverte. Tanaka refusait d'ouvrir le sas. Je crois que c'était par peur. J'ai essayé de la rassurer, mais sa peur s'est transformée en rage. Elle hurlait. Elle frappait contre les vitres et elle se jetait tout son corps contre la porte. J'ai appelé le reste de l'équipage. Nous avons dû, malgré ses 50 kilos, la plaquer au sol. Le capitaine Edwards, le lieutenant Androssian et moi-même. Pour arriver à lui injecter un calmant, puis un autre. Et encore un autre. C'était la première. Si ce moment me revient bien, je ne peux pas en dire autant de la suite. Je crois que j'ai essayé de les raisonner au début. Et quand j'ai compris que le dialogue ne suffirait pas, qu'ils allaient tous s'entretuer, j'ai fait ce que chacun aurait fait. Je me suis caché. Dans un conduit d'aération, j'ai attendu. Un vaisseau cargo comme le nôtre ne peut pas disparaître. Une mission de sauvetage finirait par nous rejoindre. Je ne sais pas combien de temps a passé. J'ai essayé de compter. Le courant a été coupé et Mother, notre intelligence artificielle, a été désactivée. Plus de cycle d'alternance jour-nuit. J'ai cru devenir comme eux. Fou. Allié. Quelques rares sorties pour dénicher la nourriture que la peur m'empêchait de retenir dans mon estomac. Et les heures sont devenues des jours. Et les jours des années. Je me souviens des cris. Leurs cris. 99 hurlements de douleur, de colère et de désespoir qui me réveillaient en sursaut. Me tiraient de mon coma. Jusqu'à ce que vienne le silence. Tu ne m'écoutes pas. Épuisé. À bout de force, je me revois déambuler dans les couloirs vides. Tentant désespérément de réveiller Mother. Rien à faire. J'étais à bord d'un vaisseau fantôme. J'ai alors commencé à élaborer un plan pour quitter le navire. Une capsule. La charger à ras-bord de vivres et de carburant. Rejoindre la route convoi. Mais mon départ a été précipité. Androssian et Tanaka étaient toujours là. Toujours vivants et toujours fous. Je crois que je les ai blessés. J'ai utilisé mes dernières forces pour me traîner dans la capsule, vide,
Un sarcophage éjecté dans l'obscurité, dans laquelle je me suis laissé glisser. J'aurais dû ne jamais me réveiller. À qui m'entendrait? À qui voudrait m'entendre? N'approchez pas de Messier 16. La folie hante nos âmes ici. Et elle y creusera mon tombeau. Je capte un signal. Faible, mais c'est un signal. Un signal d'urgence. Un vaisseau. Un vaisseau. Je peux le rejoindre. Je peux le rejoindre. Il est à quelques milliers de clics seulement. Quelques heures de navigation si je calcule en un minimum de poussée. La manœuvre d'accostage. Je vais couper la transmission et économiser mon oxygène. Si tout va bien, je reprendrai sur le canal d'émission d'urgence. À qui m'entendrait? À qui voudrait?